famille, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du jour, donc du vendredi 22 juillet 2022. Donc on va voir ce qui va se passer dans cette journée. On va commencer par un message pour voir un petit peu l'énergie qui ressort. Alors, nous avons le revirement. On vous dit, vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Donc ici, il y a quelque chose qui va se représenter à vous. Il y a une situation qui va se transformer. En tout cas, on nous parle d'un changement de situation qui arrive de manière inattendue. Donc ça, c'est ce qui ressort avec cette énergie. Alors, on va voir les messages avec le Lenormand. Donc je vais utiliser ce nouvel oracle qui est juste très très joli. On va regarder ce qui va se passer pour vous. Alors, pour ce vendredi, à la coupe, nous avons le bouquet et nous avons le journal. Alors, ici, on nous parle d'un cadeau, on nous parle de générosité, de partage. Et la carte du journal nous indique aussi des révélations, des messages qui viennent vers vous. Donc, c'est comme si vous alliez apprendre quelque chose qui va naître de la joie dans vos projets, qui va vous surprendre et qui en même temps va être très bénéfique parce que ce sera comme un cadeau pour vous. Alors, on va regarder au niveau des messages. Oups là, on va voir ce qui ressort. Alors, je perds ma carte. Hop. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? 1, 2, 3, 4. 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Alors, au dos du jeu, nous avons le journal. Donc, le journal nous parle encore de révélation. C'est la carte du livre. Donc, il y a des messages, il y a des réponses qui arrivent vers vous. On nous parle ici de quelque chose qui était peut-être secret, mystérieux, dont vous allez avoir des réponses. Alors, on commence avec la carte de la maison. Donc, la maison représente votre foyer. Ça peut être en lien avec votre lieu de vie. Ça peut nous parler aussi de votre famille, de vos proches. Alors, on va voir ce qu'il ressort. On a le soleil, donc on a du bonheur dans le foyer. On nous parle de joie, on nous parle d'optimisme. On a aussi des éclaircissements par rapport à la famille, par rapport à vos projets. Ça peut être aussi de la lumière, du positif par rapport à tout ce qui est immobilier. Peut-être par rapport à une maison, par rapport à un bien. En tout cas, on a du bonheur qui vient vers vous. On a la carte des poissons. Donc, les poissons nous parlent d'indépendance, de projet, mais aussi d'abondance. Donc, on nous indique avec cette carte qu'il va y avoir pour vous une envie peut-être de vous mettre à votre compte, de mettre en place un projet qui vous tient à cœur. Mais ça peut nous parler aussi de prospérité et d'abondance dans vos projets. On a la carte de la clé. Donc ici, on a des portes qui s'ouvrent. Vous avez la solution, vous avez la clé entre vos mains. Par rapport à tout ce qui concerne un projet indépendant, par rapport à de l'abondance, on vous dit que vous avez la clé entre vos mains. On a l'anneau, donc on a plein de beaux messages ici. On a la carte de l'anneau qui nous parle d'engagement, qui nous parle d'union. C'est aussi une carte qui va représenter des accords, des contrats. Donc pour certains, vous allez peut-être vous engager dans un projet, signer quelque chose et ce sera très positif pour vous. On a la carte de l'ours. Donc ici, pour certaines personnes, on peut nous parler d'achat, on peut nous parler d'investissement sur le plan financier, le fait d'acquérir quelque chose, le fait de posséder quelque chose. Et ça va vous apporter des solutions également. On a également la lune. Donc la lune nous parle d'intuition, de ressenti. C'est aussi tout ce que vous allez mettre en lumière. Donc il y a des situations qui vont s'éclairer pour vous. Ça nous indique également ici qu'il y a une part de mystère. Il y a quelque chose qui amène des intuitions, des messages, une grande clairvoyance à l'intérieur de vous. On a aussi les souris. Alors, ici, il y a peut-être quelque chose qui, moralement,
vous fatigue ou vous stresse intérieurement. Peut-être qu'il y a des inquiétudes qui sont présentes à l'intérieur de vous, peut-être par rapport à un achat, par rapport à un investissement. En tout cas, les souris peuvent nous parler de stress, de quelque chose qui vous ronge intérieurement. On a la cigogne, donc il y a du changement, il y a, pardon, des évolutions, il y a une situation d'évolution positive également par rapport à un investissement. On peut nous parler aussi de changements sur le plan financier, d'une situation qui s'améliore, donc il y a vraiment une belle évolution qui se met en place. On a la faux, donc il y a un changement ici où vous allez prendre des décisions, vous allez peut-être vous libérer de certaines choses. Vous allez aussi couper avec certaines situations, mais la faux nous parle aussi d'une récolte. Donc vous allez récolter le fruit de vos efforts, le fruit de ce que vous avez entrepris. On a le renard. Pour certains, il y a des changements au niveau professionnel. Ça peut être le fait de quitter un travail, le fait de changer quelque chose par rapport à votre vie professionnelle. On peut nous parler aussi d'un travail à la maison. Ça peut être le fait aussi effectivement de développer un projet au niveau professionnel qui soit stable. On a la carte de la lettre. Donc la lettre nous indique des écrits. Ça peut être un courrier, une nouvelle que vous recevez au niveau de votre carrière. Donc pour certaines personnes, ici on nous indique un changement, une évolution par rapport à vos projets. Et nous avons le cavalier. Donc le cavalier nous indique des nouvelles. Donc il y a ici des messages qui viennent vers vous. Une personne qui vous apporte des nouvelles. Quelqu'un qui vous amène des messages importants. Alors on va recouvrir certaines cartes pour avoir d'autres informations. On va voir un petit peu ce qui ressort. Sur les souris, on a les étoiles. Donc vous retrouvez de la sérénité, vous retrouvez du calme. Peut-être qu'il y a une situation aussi où on vous a caché certaines choses et ça vous a inquiété, il y a eu des inquiétudes par rapport à ceci. Mais en tout cas, vous retrouvez l'apaisement, vous retrouvez du calme. Alors, sur la faux, nous avons le bouquet. Donc ici, on a une décision qui va être prise qui va apporter du bonheur. Donc c'est comme si vous alliez vous libérer d'une situation et ça va être très positif pour vous. Ça peut nous indiquer aussi le fait de couper avec quelque chose, le fait de se libérer d'une situation. Et on a le bouquet, donc on nous parle de bonheur, on nous parle de joie. On peut nous indiquer aussi un cadeau, quelque chose que vous recevez et une décision qui est prise par rapport à ceci. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous dans ces énergies. Alors, on va continuer, on va utiliser le tarot et on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous. Alors, quels sont les messages pour cette journée? Oups là. Alors, pour ce vendredi, on a la reine de coupe. Donc, la reine de coupe, c'est l'intuition. La reine de coupe nous parle aussi de sensibilité, d'émotion. Donc ici, vous êtes vraiment en train de vous connecter à vos ressentis, aux messages que vous captez à l'intérieur de vous. Alors, à la coupe, nous avons la roue de fortune et on a la carte du hiérophante. Donc ici, on nous parle d'un nouveau cycle sur le plan spirituel. Il y a vraiment quelque chose qui est en chemin. Il y a aussi un mouvement important qui se passe et vous allez pouvoir recevoir des messages assez forts puisque la carte du hiérophante, ça peut être le fait d'être conseillé, ça peut être aussi le fait de trouver un mentor, de vraiment être appelé vers quelque chose. Et on a la roue de fortune qui nous indique effectivement un nouveau cycle qui se met en place. Donc vous êtes amené ici à vivre des changements par rapport à un éveil, par rapport à votre connexion intérieure. Alors, on va voir ce qu'il ressort au niveau des énergies. Hop. Au dos du jeu, nous avons le 2 d'épée. Alors peut-être que vous vous questionnez, vous êtes peut-être dans un flou au niveau d'un choix à faire. Il y a peut-être des interrogations par rapport à cette direction que vous souhaitez prendre.
Alors, on a le 7 de coupe. Le 7 de coupe, ici, nous montre le fait que vous allez mettre en lumière des illusions, des choses qui étaient un petit peu floues au niveau de ce que vous vivez. Mais ça nous indique également que vous avez le choix. Il y a plusieurs opportunités qui sont devant vous et vous allez pouvoir prendre une direction par rapport à ceci. Il y a peut-être de l'hésitation, peut-être que vous vous questionnez sur le chemin, sur la direction à prendre, mais il s'agit ici de pouvoir faire, de pouvoir prendre la décision qui vous tient à cœur. On a le valet de coupe. Donc le valet de coupe, c'est l'innocence, c'est la pureté, c'est votre enfant intérieur également. Le valet de coupe, ça peut aussi représenter un enfant. Donc il est peut-être question ici d'une problématique liée à un enfant, votre enfant, vos enfants. En tout cas, il est question pour vous ici de mettre en place quelque chose de nouveau qui vous tient à cœur et qui est émotionnellement et important pour vous. On a le monde. Le monde représente l'accomplissement, la réalisation. C'est le fait d'arriver au bout d'un cycle. C'est le fait de pouvoir se réaliser, s'accomplir. Ça peut parler aussi d'une connexion avec l'étranger. Donc il peut y avoir aussi pour vous une envie de voyager, une envie de découvrir de nouveaux endroits. Mais ça représente aussi quelque chose qui se réalise, quelque chose qui aboutit pour vous. On a le 8 de coupe. Alors, on peut nous représenter ici le fait que vous quittez certaines émotions du passé, des émotions qui ont peut-être été lourdes à porter, et par rapport à ça, vous décidez d'avancer. Donc ici, vous êtes dans une transition importante sur le plan émotionnel qui vous permet d'aller vers de nouvelles émotions et de vous libérer de ce qui émotionnellement a été douloureux pour vous. Donc c'est une phase de transition au niveau émotionnel. Et on a la carte de la papesse. La papesse, c'est le savoir, la connaissance. Ça nous indique également que vous avez une grande clairvoyance sur ce que vous vivez actuellement. Mais ça nous montre aussi qu'il y a peut-être un désir de se former, un désir d'apprendre. Il peut y avoir pour vous un apprentissage qui soit bénéfique, qui vous permet aussi de faire de nouvelles rencontres, de vous ouvrir sur l'extérieur. Et on a également quelque chose de nouveau qui se met en place pour vous. Donc voilà un petit peu ce qui ressort dans vos énergies. Alors, on va continuer. Donc je vais utiliser un nouvel oracle au niveau amoureux. Et je remercie Marie Guidance qui m'a offert ce jeu. Donc il est juste magnifique, vous allez voir. Donc on va voir au niveau sentimental ce qui ressort pour vous. En tout cas, si tu passes par là, je te remercie énormément. Parce qu'il est juste magnifique. Et je suis très contente de le posséder dorénavant. Alors, qu'est-ce que nous avons au niveau amoureux? Ensuite, on ira compléter avec le tarot. On a le message reçu et on a la dispute. Alors, peut-être qu'il y a des communications qui sont un petit peu compliquées. Peut-être qu'actuellement, vous êtes en désaccord avec la personne de votre cœur. Mais on nous parle de reprise de contact. Donc il va y avoir ici pour vous des nouvelles, des messages qui vont arriver, qui vont vous permettre certainement de pouvoir retrouver un équilibre au niveau de la communication. Alors, on va voir ce qui ressort. Oups. Quels sont les messages pour vous? Alors, on a déclaration d'amour. On a l'automne. On a le lâcher prise, on a la communication, on a le temps nécessaire, la patience et on a la femme, le féminin sacré. On a une reprise de communication ici. On nous dit que vous étiez peut-être dans une situation où vous avez dû faire avancer les choses, vous avez dû mettre toutes vos énergies afin de faire avancer la situation. En tout cas, ici, on a une personne qui vous aime, on a une personne qui vous envoie de l'amour. On peut nous parler aussi du fait que vous allez déclarer vos sentiments à une personne ou c'est la personne de votre cœur qui va déclarer ses sentiments. On a aussi l'automne. Donc ici, on nous parle de purification, on nous parle de nettoyage également au niveau de votre relation. Vous entrez dans une période de lâcher prise. Vous êtes en train d'accepter, d'accueillir quelque chose au niveau émotionnel. Et ça vous permet vraiment de purifier les énergies, de vous libérer de tout ce qui vous bloquait. On a la communication, donc ici on est dans les échanges, on discute, on parle, on va pouvoir communiquer, on va pouvoir exprimer certaines choses.
C'est peut-être des communications que vous avez attendues depuis longtemps, puisqu'on a quand même la patience qui ressort ici. Mais on voit ici qu'il y a peut-être eu un temps nécessaire avant de pouvoir communiquer, avant de pouvoir exprimer les choses. Et nous avons la femme, le féminin sacré. Donc ici, ça peut vous représenter si vous êtes une femme, mais ça peut être aussi en lien avec des énergies féminines. Donc vous vous reconnectez à vos intuitions, à votre clairvoyance au niveau de votre relation. Alors, on va compléter ces messages et on va voir un petit peu quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Donc, quel est son état d'esprit ? Nous avons le 6 d'épée. Et nous avons la carte de l'empereur. Et ici, on a le cavalier de bâton. On a quelqu'un qui a envie de faire avancer les choses. Le cavalier de bâton, ça nous indique quelqu'un qui est affirmé. Ça nous indique également que cette personne a envie de faire bouger une situation, a envie de faire avancer les choses. Mais ça nous montre aussi que cette personne est dans une période de transition. Donc elle quitte certaines choses pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau. Et on a aussi l'empereur. L'empereur, ici, on voit que cette personne s'affirme. Donc ici, c'est une prise de position importante. L'empereur, c'est quand même le fait d'avoir du pouvoir, c'est le fait d'avoir peut-être une énergie forte à l'intérieur de cette personne. Donc déjà, ici, on a des décisions importantes qui sont prises et on sent que cette personne vit une période d'affirmation. Dans votre état d'esprit à vous, on a déjà le 6 de denier qui ressort. Et nous avons l'as de denier. Vous, vous êtes dans le concret. Ici, le 6 de denier, c'est vraiment quelque chose de palpable. C'est comme si actuellement, vous étiez dans un partage. Donc à la fois vous donnez et à la fois il y a le fait de recevoir. Et on a l'as de denier qui nous indique quelque chose de nouveau. Donc ça peut nous indiquer que vous avez un nouveau projet, vous avez envie de mettre en place quelque chose qui vous tient à cœur. Mais ça nous parle aussi de nouveautés, de cadeaux. Ça nous indique peut-être que vous avez envie de transmettre quelque chose à la personne de votre cœur, d'offrir quelque chose également. Et on a le 3 d'épée. Donc il y a quand même ici une libération au niveau des blessures, au niveau de quelque chose qui a été douloureux pour vous, émotionnellement, mais aussi intérieurement. Alors, on va voir dans votre relation ce qui ressort. Dans votre relation. Nous avons le 8 de bâton, ça bouge, il y a du mouvement. Il y a un pardon qui se fait. Et on a le 6 de bâton. Ici, on a le 4 de bâton. On a des très belles énergies. On voit que par rapport à votre relation, il y a du mouvement, il y a de la rapidité, il y a des échanges, il y a peut-être que vous prévoyez un voyage aussi, des déplacements. On a aussi le jugement qui nous indique que vous faites la paix, vous êtes appelé à vous retrouver, à vous réconcilier. Et on a le 6 de bâton qui nous indique du succès, des réalisations qui viennent vers vous, mais aussi des récompenses. Et on a le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est la construction, c'est la stabilité, c'est le fait de mettre en place des projets également concrets. Donc, il y a quand même de beaux messages qui ressortent ici. Alors, on va voir pour les personnes célibataires ce qu'il ressort pour vous. On a le 10 d'épée, on a le 8 de denier et on a la papesse. Et ici, on a le roi de coupe. Alors, pour les personnes célibataires, ici, on nous dit que vous tournez une page par rapport à quelque chose qui a été douloureux. Donc, vous êtes dans une période de, pas de transition, mais de libération au niveau de votre mental, au niveau des décisions que vous avez prises. On a le 8 de denier qui nous indique que vous êtes investi, vous faites un travail intérieur pour faire avancer les choses. Et on a la papesse. Donc, la papesse, c'est le savoir, la connaissance. Vous avez beaucoup d'intuition, beaucoup de ressentis et vous êtes en train de faire avancer une situation. On a le roi de coupe, donc on voit que vous vous affirmez au niveau de vos émotions, au niveau de ce que vous ressentez. Il y a un accueil de vos émotions. Alors, on va voir aussi pour les personnes en situation de séparation. Nous avons le 9 d'épée, nous avons le pendu et nous avons la lune. Vous êtes dans une attente ici. Il y a une attente pour vous qui vous stresse, qui vous angoisse, qui est comme si vous aviez du mal à dormir, comme si vous aviez du mal à retrouver la paix, à retrouver la sérénité.
Mais en tout cas, vous êtes en train d'accueillir quelque chose de nouveau. Il y a des transformations importantes dans votre relation. Et vous mettez en lumière certaines choses également avec la Lune. On a des clarifications. On met en lumière ce qui pouvait être trouble. Et on s'ouvre sur quelque chose de nouveau. Donc voilà les amis, ce qui ressort pour vous au niveau sentimental. Hop, alors je récupère mes cartes et on va voir ce qui ressort avec les breloques. Quels sont les messages pour vous? Hop. Ah, déjà on a le chiffre 6. Alors, le chiffre 6, ça représente les récompenses. Ça représente aussi la victoire, le succès. Donc, il va y avoir une réalisation importante pour vous. Au niveau du foyer, on a la barre. Donc, ici, vous prenez une direction par rapport à votre foyer. Vous prenez peut-être un nouveau chemin. On a aussi l'œil qui nous parle de clairvoyance, qui nous parle aussi de vision. Donc, vous avez une vision claire sur la situation que vous vivez. On a la feuille qui nous parle de purification, de nettoyage au niveau de votre foyer. On a également la plume qui nous indique peut-être des écrits, des papiers également. Nous avons le nœud qui nous parle de liens qui se renforcent dans votre foyer. On a l'amour qui est là, donc on a un amour, on a un foyer rempli d'amour. Et on a Love You Forever, donc on nous parle aussi ici d'une personne qui vous aime pour vraiment pour la vie. Donc ici, on nous parle d'un amour durable. On a au niveau d'un voyage le masque. Alors peut-être qu'il va y avoir certaines vérités qui vont arriver à vous à travers un voyage. Vous allez pouvoir aussi faire tomber les masques et pouvoir vous révéler. Donc c'est comme s'il y avait un voyage qui allait vous permettre des éclaircissements. Au niveau amical, on a une direction, on a un choix que vous prenez. On a de la stabilité, on a quelque chose qui commence à s'ancrer au niveau amical. Au niveau sentimental, on nous parle d'amour. Ici, on a l'amour, on a les deux cœurs qui nous parlent de réconciliation. Donc, s'il y a eu des incompréhensions, vous allez vous retrouver. On a le tournesol qui nous parle d'épanouissement et de joie. Et on a la sirène, donc au niveau sentimental, ça nous parle de sensibilité, d'émotion, de douceur également. Au niveau de votre moi intérieur, nous avons l'arc de triomphe. Donc ici, effectivement, ça peut symboliser un succès, un triomphe qui arrive pour vous. On a le cœur qui nous parle d'amour et de partage. On a l'éléphant qui nous parle de chance et on a le cœur également avec les deux colombes. Donc ça nous indique un rapprochement également avec une personne. Au niveau de la famille, on a la tortue, donc il y a quelque chose qui avance lentement mais sûrement. Et on nous parle aussi peut-être de déplacement par rapport à la famille. Au niveau professionnel, on a quelque chose qui est encore peut-être mystérieux, mais on vous dit que vous avez la clé d'une situation pour pouvoir avoir des réponses. Et on a aussi l'éléphant qui nous indique la chance et la prospérité. Au niveau financier, vous recevez des nouvelles. On nous parle aussi de rapidité et de mouvement concernant vos finances. Donc voilà, écoutez, on a un tirage magnifique, donc c'est super. On va regarder quels sont les messages des anges pour vous. Quels sont les messages qui vont vous accompagner dans cette journée. Alors, on va prendre deux messages. Nous avons accepté les changements et nous avons le guérisseur de l'émotion. Alors, premier message, on vous dit acceptez les changements. Vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas de but dans la vie et ils vous invitent à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Et on a le guérisseur de l'émotion. Il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Une personne peut être vous, gentille, au cœur tendre, aimante et digne de confiance. Donc les amis, pensez aussi à vous parce qu'on voit que vous pensez beaucoup aux autres et que vous pouvez vous oublier également.
Donc voilà les amis, j'espère vraiment du fond du cœur que cette guidance vous a plu, a résonné à l'intérieur de vous. Prenez soin de vous parce qu'il fait encore chaud. Ici également, on a un peu plus d'air, mais il fait quand même encore un petit peu chaud. En tout cas, je vous embrasse, je vous souhaite une magnifique journée à venir. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.